Salut les amis, oui, ici Chaotique et on se retrouve pour le troisième épisode de l'intégrale d'Assassin's Creed 3, les amis. Et oui, la dernière fois, on s'était quitté devant un paysage somptueux dans le navire. Et là, on se retrouve dans la ville de Boston. Dans le port de Boston. Et regardez-moi ce décor, magnifique. Et encore, vous êtes loin d'avoir tout vu. Alors, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous incite à aller les voir. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Et tout de suite, dépêchons de rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va rentrer vraiment dans la ville de Boston. Hop. C'est vraiment magnifique. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. La pêche et tout, c'est vraiment. Les opportunités, on dirait vraiment. Attends un instant. La vie réelle, quoi. Je dois faire des achats avant. En 1900, en 1750. Pour aller chercher nos chevaux. Ok, allez. Allons au magasin. Pendant que Charles Lee et chercher nos chevaux. Allons nous acheter de quoi nous équiper en armement. Rends-moi ça tout de suite, ça ne vaut rien. Maudit voleur, là, cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Un almanach. En tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Eh oui, et Benjamin Franklin. Vous venez d'arriver à Boston. Une des références de la culture américaine et de l'indépendance. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes... Vous verrez, il n'y a pas que Benjamin Franklin qui vous sera familier. Écoutez, dans ce jeu. Si je n'ai rien, mon bon. Je ne vous en dis si pas plus. Parfait. Sinon, il faut voir tous les épisodes. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Ok, allez. Voilà, allons nous équiper. Place aux affaires. Acheter. Oui, et j'achète une épée. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut, mon ami? Bah. Ah oui, d'accord. Allez. De la colonie du Massachusetts sont revenus. Pousse-toi. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques, mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. J'écrase des gens sans aucune forme de pitié. Je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Fort peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. J'ai hâte d'avoir un peu d'action, là. Donc, dépêchons-nous. Donc, on est arrivé au bar. Voilà, bien. Alors, je me sens. Hop, allez, c'est parti.
Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Oh, ça clash. Oh, pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Vous voulez à manger, à boire peut-être? Ou peut-être bien un lit? Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui. Bien sûr. Messieurs Lee et Kenway, c'est ça? Je vais monter vos sacs. Vas-y, femme. Va monter les sacs. Ah, aurez-vous besoin d'autre chose? Non, qu'on nous laisse. Ah, oh, petit bug. Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Siki, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien, dites-moi où il se trouve, et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Mm-hmm. Charles. Sir? Nous devons partir, bien sûr. Allons récupérer ce coffre. Dépêchons d'avoir un peu d'action. J'adore que ça, moi. Je veux de la bagarre, de la bagarre. Ok, c'est parti. Thomas Siki? Qui le demande? Etam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Y a rien besoin de hâter. Et puis ravaler votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. L'effet de surprise. On verra. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. L'effet de surprise. Et vous, fichez le camp. Hop. Ramassez une arme. Allez, c'est parti. Partez avant qu'on se mette en colère. Tuer des mercenaires. Hop, on va viser. Bim ! De tuer ceux-là ou... Ouais, oui, je pense. Bim ! Tu parles de cette surprise. C'est mon corps ! Bim ! Bon ! Ah ! Oh là 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 !
Oh. Oh. En arrière. Ça, c'est de la baston. Abritez-vous à l'intérieur. Et maintenant, nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus. Allez, allons récupérer ce coffre. Posez vos armes, et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Moi aussi. Je suis très impatient. Boum! Et voilà! Oh, les amis! Bim! Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous? Ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Ethan! Celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Allez, fouillons un peu de corps. Tant de vipé. Rentrons au Green Dragon. Ça m'a donné soif. Hop. Et suivons ces deux-là. Attention. Nous ne sommes pas seuls. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Oh. Oh là là. À main nue. Boum. Tout de suite. Check. Oh là. Hé. Ces cadavres ont sûrement les poches pleines. Ce serait un crime de ne pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Prendre un petit fusil. Pourquoi faut toujours que quelqu'un fasse le ravageois? Si on tuait un enfant, hein? Ok, d'accord. Oh, les skis! C'est fait. Comment c'est long à recharger. Bim. J'espère que le contenu de ce coffre en vaut la peine. Oh, allez. Ces imbéciles n'ont que des couteaux. C'est bien méchant. Ce ne sont pas ces gredins, je m'inquiète. Ces gredins. Et... et voilà. Je tue pas des citoyens, je tue des vaches, des bœufs. C'est bizarre cette vache. Je sais pas c'est de quelle espèce de vache.
Voilà. Allez, faut que j'ai encore deux. Bim! Bim! Peut-être avoir une synchronisation parfaite. Et voilà. Allez, rechargeons encore. Ok. Plus qu'un. On va faire les armes de maintenant, hein. Je crois que nous en avons fini avec eux. Ah, après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages s'il veut que je reste à son service. Et voilà. Parfait, on a très bien réussi cette petite mission. On a bien récupéré le coffre, on a fait toutes les quêtes, toutes les voilà synchronisations. Coffre. Parfait, moi je dis, parfait. Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Canyon Geaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Thomas? Quoi? Prends une chambre. Et aussi un bain. Ah, parce que tu pues, garçon. Nous allons rester ici quelque temps. Voilà. Ah bah non, il faut retourner à l'intérieur. Autant pour moi. Bonsoir, messieurs. Abdullah. Oh, allons, Charles, il est plutôt attachant. Hé hey, Catherine, au travail. Viens par ici. Verse-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches? Quel pochetron. Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves? Je crois pas. Un film porno. Jamais sûr, je le saura. Assassin's Creed est un film porno. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recrutait. Bravo, Charles. On peut y aller.
Merveilleux. Efficace. Efficace, comme André. Charles. Sœur. J'ai l'impression que nous sommes les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être? Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Benjamin Church. Normalement, je crois pas que ça soit la bonne année. Je crois qu'il est mort juste un peu avant les années 1720, je crois. Bien. Mais bon. Je vais te toujours montrer un petit peu d'authenticité dans ce jeu. Allez, allons espionner. Et en savoir plus. De où pourrait se trouver Benjamin Church. C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos affaires. Voilà, il explique un peu comment ça se passe l'espionnage. Parce que là, vous avez bien compris que là, si je suis là en plein milieu, ils vont me voir. Ça, c'est sûr et certain. Les forces françaises et britanniques cherchent à s'allier les Indiens. Oui, bah allez. Voilà. Quelle conduite scandaleuse pour un homme promis à devenir chirurgien. Mais s'il passe sa vie à faire la noce. C'est l'art de se fondre dans la foule. Les parents de Benjamin sont mortifiés. Je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que sa réputation n'en soit irrémédiablement souillée. Ils sont partis au nord-est, sans doute à la recherche d'une taverne ou d'un autre lieu de perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Ok, c'est parti. Un peu de marche, un peu de course. Pour examiner les environs de Boston. Vous allez un peu voir l'étendue de ce bâtiment, de cette ville, pardon. C'est vraiment magique. Allez, monte, garçon. Il est un peu fou de faire ça en même temps. Il est trop fort. Il est trop fort, ce Ethan. Voilà, regardez cette ville. Regardez cette ville de Boston. Vraiment magnifique. Il suffit de tendre l'oreille. Et c'est sur cette image de l'environnement de Boston qu'aujourd'hui nous nous quittons, les amis. Et je vais faire le petit saut de fin. Et c'est parti. Et les amis, je vous dis à la prochaine pour la suite des épisodes de la série Assassin's Creed. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.